fini les plaintes. Eh bien salut les amis, c'est Karendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Yo-Kai Watch 3 en français. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on continue notre aventure et normalement on va être à d'autres poneys aujourd'hui. C'est cool ça, par contre c'est cool. Bon, c'est un peu buggé, hein, la physique elle est un petit peu bizarre, mais c'est cool quand même. Alors Karendo, comment tu te sens sur ton poney? Tais-toi, je sais comment ça marche. Allez, pas la peine de m'expliquer, tais-toi, on sait comment ça marche. En fait ce qu'il faut, c'est que le poney commence à faire n'importe quoi. À partir du moment où le pony commence à faire n'importe quoi, tu vas super vite. Mais je sais pas comment on fait pour le déclencher. Je crois que c'est au hasard, ça se déclenche tout seul. Et on peut pas se combattre contre les yokai quand on est à d'autres poneys, ce qui a absolument aucun sens, mais pourquoi pas. Bref, oh oh. Ouais non, on va pas commencer à aller récupérer les coffres, hein, c'est bon, hein. Alors. Ok, voilà. Dans tous les cas, les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et... Ouh. Donc quand est-ce que je vais commencer à dérailler, là? Non mais ça a pas d'intérêt d'être à d'autres poneys. S'il déraille pas, hein. Déraille! Comment ça s'appelle d'ailleurs? On dit pas dérailler, hein, parce que c'est pas sur un rail, un poney quand même, c'est vivant. Mais on dit s'enrager, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'on dit. Bon, allez. Ouh, il est quand même super ouf ce cheval. Hein. D'ailleurs, comment on fait pour accéder à la ville si on n'a pas de cheval? Ou si on est handicapé, ou si on a peur des chevaux. Enfin, je sais pas, il y a 3000 raisons pour lesquelles tu pourrais ne pas avoir envie de passer en cheval. Et bah, je sais pas s'il y a une solution, en fait. Hein. On peut peut-être pas. Donc, ouais, en fait, je trouve que Level 5, ça, par contre, ils ont fait n'importe quoi. Encore une fois, hein, c'est pas la première fois, mais bon, ça arrive tout le temps dans les Yo-Kai Watch 3. En fait, en vrai, à partir du moment où tu dérailles, enfin, où ton cheval, il est enchaîné, t'es censé essayer de le raisonner. Pour pouvoir justement bah, te remettre à le contrôler normalement, quoi, sans problème. Bah, le souci, c'est que en fait, ce truc-là qui est censé être un malus, bah, c'est super bénéfique. Parce qu'en fait, le cheval se met à aller super vite, il devient pas si incontrôlable que ça, et il dépense plus d'endurance. Donc, c'est ridicule, c'est en fait l'inverse de ce que Level 5 aurait voulu faire. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Waouh! Giga dingue, j'ai l'impression d'être dans un western! La petite promesse dans la prairie, ouais, bien sûr. Désolé. Oui, bon, on a compris ta chanson, là. C'est bon, passe. Enfin, sa chanson, sa mélodie, plutôt. Et maintenant, sifflement, giga cool. Yeeha, cowboy. Bienvenue. On n'a pas l'habitude d'avoir des visiteurs dans le coin. Ouah, wow, manque plus qu'une botte de paille qui roule, là. On en a déjà vu, hein. Vous êtes les bienvenus à Dukeville. Moi, c'est Jeanne, et je tiens le relais des chasseurs. Bonjour, hello Jeanne. Ton accent me fait fondre mon petit chou. Vous êtes sûrement épuisé, je vais vous amener à l'hôtel. C'est gentil, thank you Jeanne. Mais genre, il fait fondre le cœur de tout le monde Nathan. Alors, qu'est-ce qu'on fait déjà ici? Je sais même plus. Enfin, on va finir par voir un truc qui s'est écrasé, mais c'est pas tout de suite, ça c'est dans longtemps. Et voilà l'hôtel. Vous avez intérêt à bien vous reposer, pigé. Ouah, un saloon, trop cool. J'aurais dû prendre mon revolver en plastique. Mais il y a des vrais revolvers par ici, t'inquiète. Puis de quoi elle parle en plus? On a un pistolet blaster, elle a qu'à s'en servir. Merci de nous avoir aidé, Jeanne. C'est rien, mon petit chou. N'hésitez pas à passer me voir dans ma boutique. Profitez bien de votre séjour, et bah voilà, je me doutais qu'il y avait un sous-entendu. Genre, elle est gentille avec nous, elle nous accueille, et pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle a une boutique, voilà, parce qu'elle veut nous vendre des choses. Non mais, je savais bien qu'il y avait anguille sous roche, hein. Merci, je veux dire, thank you. Non, non, mais la remercie pas, hein. Déjà, elle t'emmène dans l'hôtel, c'est sûrement sa sœur qui tient l'hôtel. Comme ça, voilà, on va devoir payer dans l'hôtel. Et elle nous a bien dit, hein, reposez-vous, hein. Mais c'est pas gratuit de se reposer à l'hôtel, comme ça on va devoir payer à un membre de sa famille. Après, on va devoir aller dans sa boutique. Il y a sûrement son frangin qui tient le restaurant. Non mais, moi je vois clair dans leur jeu, hein. Je me ferai pas avoir, je me ferai pas avoir. Hein, vous avez pas déjà vu ces deux-là avant? Ça, je m'en souvenais. Ces croyeurs et Denis. Comment ils sont y arrivés ici? Bah, en poney. En poney, voilà. Ils sont sûrement à la recherche de l'OVNI aussi. Bon sang, bien sûr. On devrait leur demander ce qu'ils savent. Je pense que c'est plutôt eux qui vont nous demander ce qu'on sait, hein. En tout cas, j'irai pas me reposer, hein. Je vais pas me faire avoir, hein. Bonjour. Croyeur Denis. Salut.
Eh bien, comment on se retrouve? On dirait qu'on n'est jamais loin les uns des autres. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, voyez-vous, trois grands mystères gravitent autour de cet endroit. Ouah, j'ai un chat dans la gorge, c'est Mimi, je l'ai mangé avant de faire la vidéo. Eh bien, voyez-vous, trois grands mystères gravitent autour de cet endroit, je sais, je viens de le lire. Et nous sommes sûrs qu'au moins l'un d'entre eux est lié aux ovnis. Enfin, sûr est un bien grand mot. Un peu comme ta bien grande langue. Allez, pas de temps à perdre, on y va. Haha, sérieux et droit au but, du déni tout craché. Bref, venez nous voir si vous voulez enquêter sur un de ces mystères. Bah on veut enquêter, donc c'est pour ça qu'on était venu vous voir. Trois mystères vous dites? On dirait bien qu'on a du pain sur la planche. Y a pas de mystère qui nous résiste, allez, yiha! Ouais! Je me demande si Jeanne sait quelque chose là-dessus. Bon, allez, en y avant, direction le relais des chasseurs. Le relais des chasseurs, et ben encore il va y avoir cette fois le papa de Jeanne qui y travaille. Ah franchement là, cette ambiance capitaliste là, ça me va pas du tout tout ça, hein, ça me va pas du tout. Hein. Bref, ça m'étonne pas, hein, aux États-Unis du Far West là, ça m'étonne pas, hein, c'était les balbutiements. Mais attendez, mais non, mais c'est là qu'elle travaille. Ah bah oui, mais c'est pire encore. Je me ferai pas avoir, je n'achèterai rien, rien du tout. Je vais éternuer, j'ai un truc coincé dans la gorge, c'est ouf, je suis en train de mourir là. Je vais pas réussir à terminer la vidéo. Au moment où cette vidéo sort, je suis certainement à l'hôpital. Hey, tu pourrais nous apprendre la zik, tu sifflotes là? Avec plaisir mon petit chou. Alors c'est Eh ben bravo, je viens de zapper l'air de cette zik d'un coup là. Va falloir qu'on paye pour que tu nous l'apprennes, c'est ça? T'as oublié là comme ça? C'est bon sang de bizarre, hein, mon petit chou. Et je suis la seule à la connaître. Mais mettez des dons dans la petite boîte en dessous, hein, ça va me la rappeler. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Mais on s'en moque de ton air, en plus. Il est même pas joli. Bon sang, c'est frustrant. Pas moyen de me rappeler. Mais tu viens de le jouer. Il y a du yokai dans l'air. Hein. Une musique que seule Jeanne connaît, comme c'est étrange. Je suis désolé, j'avais zappé. Vous êtes venu me voir pour quelque chose, non? Ouais, on voulait te demander un truc. On enquête sur des mystères qui entourent Duqueville. Des mystères? Dans notre vieux patelin? Maintenant que vous en parlez, il y a des gens qui essayent de choper des infos. Pour de la presse, Fancyzat. J'ai un numéro de ce mag, vous avez qu'à le prendre. Merci. Ah oui, je me souviens de ça. C'est super, merci Jeanne. Je suis sûr qu'il y aura bien d'autres gens qui te fileront leur mag, mon petit chou. Giga dingue, on dirait bien que ça va être la foire au Fancyzat ici. Oui. Bon, c'est l'heure des quêtes clés. Va falloir que je les choisisse. Si vous comptez rester dans le coin, vous devriez loger à l'hôtel. Eh, continue. C'est l'hôtel que je vous ai montré quand vous êtes arrivé. La proprio est sympa avec les enfants, elle vous trouvera des chambres. Ben oui, la proprio c'est ta sœur, c'est ça, ou ta mère. Ouah, pour de vrai, génial, allons là-bas. Non. Allons-y, et pour se reposer jusqu'au soir, et ensuite place au mystère. Ce serait une bonne idée de dormir à l'hôtel. Ils vont m'y forcer, hein. Ah là 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 là. Je le savais, hein, je le savais. Tout est lié, hein. C'est vraiment jusqu'au bout, quoi. Hein. Ils veulent de l'argent, ces gens-là, hein. Alors, le petit village de Duqueville. Ce mystère, je m'en souviens très bien. Est-ce que je dois d'abord trouver des indices, ou est-ce que je peux déjà le faire? Qu'est-ce qu'elle veut? Jeanne, concernant l'exemplaire de Fancyzat que tu nous as donné, tu saurais quoi que ce soit sur l'incroyable vache au lait aux fruits? Yep, mon petit chou, pur produit du terroir, cette vache. Son lait a le goût de tous les fruits que je connaisse. Bon sang de bizarre, hein. De tous les fruits? Une vache qui a un lait aromatisé aux fruits? Yep, mon petit chou, c'est la spécialité de Duqueville, ce lait aux fruits. Ah déjà, le lait aromatisé, j'aime pas ça. Enfin, déjà, le lait, j'aime pas ça, donc ça me donne pas du tout envie. Mais bon, pourtant, j'aime les fruits. Hein. Ça sent le mystère à plein nez, ce lait aux fruits. Kirbendo, faut qu'on se manne d'aller voir cette vache. Ouais. Et comme je vous avais dit durant mon let's play en version japonaise, il y a un sondage aux États-Unis qui est paru il y a quelques années, qui vous avez posé la question aux Américains, et ils demandaient d'où vous pensez que le lait au chocolat vient. Parce que le lait au chocolat, vous savez, c'est un lait marron, genre qui est un lait au chocolat, goût chocolat. Et vous savez ce que 60% des Américains ont répondu? Bon, si vous avez déjà vu ma sirène japonaise, vous le savez déjà, hein, mais si vous l'avez pas vu, ils ont répondu dans les vaches marrons. Dites-moi quand même que vous comprenez que non. Enfin,
Peut-être. Enfin, oui. Peut-être que du chocolat, enfin du lait au chocolat, il y en a qui viennent de vaches marrons. Mais pas nécessairement. Toutes les vaches du monde font du lait, j'allais dire du lait jaune. Non, du lait blanc. Enfin, il peut être un petit peu jaune s'il est pas très propre. Mais normalement, il est à peu près blanc quand même. Il est plus blanc que jaune, hein, j'espère. Mais il est pas noir, pas marron. Enfin, sinon on le boit pas. Enfin, c'est que c'est plutôt du caca que du lait. Mais bon, bref. Dans tous les cas, non. Les vaches marrons, elles font du lait qui a goût de lait. Enfin, il est pas au chocolat. Hein, elles ont pas du cacao dans le corps. Ah là là, ces Américains. 60% d'entre eux. Quand même. Hein. Et si je vous dis, le lait à la fraise, il vient d'où ? Ah, me dites pas les vaches rouges, hein, parce que déjà, les vaches rouges, ça n'existe pas. Et en plus de ça, non. Non, ça vient de lait normal, enfin, de toutes les vaches, n'importe lesquelles, et on rajoute de l'arôme de fruits, hein, quand même. Hein, quand même. Je me demande quel goût ça va être aujourd'hui. Regarde, ça, c'est du lait à la fraise. Et ben voilà ! Une vache noire qui fait du lait à la fraise. Voilà, on a la preuve. Hein ? Une vache qui fait du lait à la fraise. Yep, et pas que mon gars, le goût change tous les jours. Vous avez envie de goûter? Non. Non, pas du tout, je m'en passerai. Je peux sentir les fruits d'ici. J'espère qu'on aura du melon demain. Moi j'aimerais bien que ce soit au raisin. Eh ben, elle m'a vraiment l'air de faire du lait aux fruits cette vache. On doit découvrir ce qui se cache derrière cette histoire. Cherchons des indices. Très bien. Ah bah ouais d'accord, faut encore chercher des indices. Vas-y, salut. Alors qu'est-ce que tu nous dis? Non, pourquoi il y a tous ces chatons vers la vache? Tu vas arrêter avec tes bêtises, il y a rien là-bas. Tout va bien? Bon, moi je connais déjà le mystère, hein, donc bon. Ma fille me bassine avec ses histoires de chatons qu'elle aurait vues dans le village. Bah il peut y avoir des chatons dans le village, y a pas de problème. Oh, un nouveau chaton! Nya, on dirait qu'elle peut me voir! Oh, quelqu'un d'autre qui peut voir les yokai, hein? Tu te rappelles à quoi ressemblaient les chatons que tu as vus? Ils étaient de toutes les couleurs, comme un arc-en-ciel. Je comprends pas pourquoi ils commencent à en parler, quoi. Enfin, parce que je veux dire... elle dit à son pote qu'elle a vu des chatons. Et le mec lui dit... Mais arrête de divaguer, ça n'existe pas les chatons! Quoi? Mais bien sûr que si ça existe! Pourquoi il n'y aurait pas de chatons par ici? Des fois, les dialogues, ils ont quand même pas beaucoup de sens. On se demande qui les a écrits, quoi. C'est un mec, il venait de Mars, quoi. Excusez-moi, pourriez-vous m'en dire plus sur le lait que vous produisez ici? Hé, hey, vous n'êtes pas les premiers à me demander le secret de notre fameux lait aux fruits. Ce bon vieux monsieur lait est à votre service, pour tout ce que vous voulez savoir. Ce lait, faut le boire le matin. C'est là qu'il est le plus frais et fruité. Il est le plus fruité le matin? Yep! C'est comme s'il se faisait imbiber de fruits durant la nuit. Bah généralement c'est parce que les vaches on les trie le matin aussi. Enfin j'ai pas été souvent à la ferme. Mais j'ai rarement vu des fermes traire les vaches le soir. Le soir. Bon peut-être que si hein, mais en tout cas pas là où j'allais. Ouais non ça se trouve ça peut. Enfin je vois. Ouais ça se trouve aussi le soir. Non j'ai rien dit. Et c'est ce qui donne toute sa saveur à notre bon violet. C'est bizarre hein. Très étrange. Vraiment bizarre. C'est comme si quelqu'un l'aromatisait pendant la nuit. Le nia aromatisé, mais qui pourrait bien faire ça, nia? C'est là toute la question. Mais on va trouver la réponse au mystère. Allez, retour à l'épicerie, ils veulent qu'on achète un truc, encore une fois. Je n'achèterai rien. Non. Non mais il en est hors de question. Alors, qu'est-ce que tu dis? Achetez-moi des trucs pour que je me rappelle de la chanson. Jeanne, tu pourrais nous en dire plus sur ce lait aux fruits? Pas bien plus, mon petit chou. À part que ce lait est super bon. Je vois. C'est pour ça que t'es si grande, j'imagine, hein, à boire tout ce lait. Alors ça, c'est faux. Le lait, ça fait pas grandir, hein. T'as peut-être raison. Savez ce qu'on dit, après tout. Boire du lait, ça rend grand et fort. Alors déjà, on dit pas ça. C'est la soupe qui fait grandir. C'est faux aussi, hein, mais on le dit. Et les laits, on dit que ça... le lait, on dit que ça renforce les os, oui. Et c'est faux aussi, hein, absolument pas. D'ailleurs, le lait, c'est certainement plus mauvais pour la santé que bon, hein. Donc, certainement pas. Mais je supportais pas le lait quand j'étais piotte. Vraiment? Ouais, mon petit chou. Mais c'était avant qu'on ait ce lait aux fruits. Et maintenant, je suis devenu accro au lait. Alors, cette vache a commencé à faire du lait aux fruits quand tu étais petite? Yep, avant, c'était que du lait normal. Je vois. Très bien. Ça doit être lié à ces mystères, tout ça. Eh ben, tout le monde, il est l'heure d'extraire la vérité de cette vache fouettée. Et donc, bah, il faut revenir la nuit. Donc, on va être obligé d'aller dormir. Faut qu'on se renseigne un peu plus. Alors, voyons ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Cette vache a commencé à faire du lait aux fruits quand Jeanne était gamine. Ce lait est le plus fruité quand il est trait le matin. Et cette fille a vu des chats invisibles près de cette vache.
Pour résumer, je vois pas. Et de votre côté ? Ah bah c'était génial, tiens. Pour résoudre ce mystère, nous devons être au bon endroit au bon moment. Il faut qu'on soit sur les lieux du crime au moment où le lait devient fruité, donc... On doit aller voir cette vache avant l'aube ! Compris, retournons voir la vache avant l'aube ! Allez, on va aller dormir. Alors ouais, je viens de dire quand même que le lait, c'était certainement pas bon pour la santé. Avant que certaines personnes rebondissent dans les commentaires, il me semble que c'est à peu près prouvé quand même que... En tout cas, c'est pas prouvé que le lait, c'est mauvais pour la santé. On pense, mais c'est pas prouvé à 100%. Par contre, ce qui est prouvé, c'est que le lait, ça renforce pas les os, hein, absolument pas. Hein. Si les gens vous disent que le lait, ça fait grandir ou ça renforce les os, c'est faux, hein, faut pas les croire, hein, ils vous racontent n'importe quoi. Mais comment je fais pour dormir ? D'accord, je sais pas. Mais par contre, c'est comme comme par exemple, je sais pas moi, les bonbons. Par exemple, les bonbons. Enfin, c'est bon les bonbons, enfin, on aime bien ça les bonbons. Par contre, c'est pas bon pour la santé. C'est pas pour ça que c'est pas grave de manger... Enfin, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de manger des bonbons tout de suite. Il faut effectivement pas manger des bonbons tous les jours, à toutes les heures. Mais c'est pas grave si vous en mangez de temps en temps. Le lait, c'est certainement pas très très bon pour la santé. En tout cas, c'est sûr que ça a aucun apport bénéfique. Passé à, bah, à partir du moment où t'as plus de 2 ans, quoi. Quand t'es bébé, si. Mais quand t'es plus bébé, non, ça a aucun apport bénéfique. C'est presque sûr. Mais dans tous les cas, c'est pas grave si vous en buvez, hein. Bon, si vous en buvez 3 fois par jour, là, c'est certainement pas très bon. Mais si vous en buvez une fois de temps en temps... Pas grave, hein, changez pas vos habitudes alimentaires pour moi, hein, je suis pas un pro, je suis pas un scientifique, je suis pas un, comment on dit, un nutritionniste, mais en tout cas, ouais, il me semble que c'est presque sûr, hein. Il me semble que c'est quasiment sûr maintenant qu'au boire du lait, même si c'est peut-être pas mauvais pour la santé, en tout cas, ce n'est pas bon, et enfin, ça n'apporte rien de bien, voilà, sauf quand on est bébé. Kirbendo, on ferait mieux de se planquer, mater ici. T'as raison. Allez, vas-y. Par contre, les fruits, ça, c'est bon pour la santé. Ça, c'est clair. Et on n'en mange pas assez, hein. Moi non plus. Aucun signe du coupable. Des coupables, tu voulais dire. Ah, quel mesquin coupable. Je me doutais bien qu'il se passait quelque chose de bizarre, ici. Le simple fait qu'il y ait du lait fruité qui sort d'une vache, c'est déjà bizarre. Hein. Qui sont-ils? Voyons voir. Comment ça, vous avez oublié? Bon, on les a vus dans Yuka Watch 1, Yuka Watch 2, Yuka Watch Blaster. Vous fichez pas de moi. Alors, ça m'a tout l'air d'être Mélonian, Oranian et Kiwinian. Accompagné de Vininian, Maranian et Pasténian, bon sang! Je pense qu'il n'y a plus de doute sur les coupables maintenant. Allez, faut qu'on se rapproche. Bah on est déjà suffisamment près là. Non, allez, faut leur parler. Non, faut pas parler à la vache, hein, parce que à part dire elle dit pas grand chose. Ouah, fais gaffe, Wyatt! On s'est fait cueillir, les gars! Planquez-vous vite, ou on est bon pour finir en smoothie! Ah, tiens, j'aimerais bien les mixer. Que quoi? Ils ont l'air de vouloir jouer à cache-cache. Ouais, bon allez, c'est parti pour jouer à cache-cache avec les petits chats. Ah non. Oh, mais ça m'avait pas posé de problème, je crois. Enfin, 5 minutes pour tous les trouver, c'est pas énorme. Mais je crois que ça m'avait pas trop posé non plus de soucis. Hein. On va voir, mais bon, déjà, en 4 secondes, j'en ai trouvé un. Hein, alors, c'est déjà pas mal. Ah là, il y en a un. Ouais, parfait. C'est facile quand même, en fait. Je sais pas si je vais avoir besoin de tourner la caméra, j'espère pas quand même. Il y en aurait pas un là-bas. Ah si, il y en a un là. Maranian. Mais comment ça se fait que je tombe dessus super facilement comme ça? Ah là, il y en a plus. Ah, il y en a un là-haut. Comment on fait pour monter? Ah, ici. Alors, j'en aurais eu beaucoup en moins d'une minute, hein. Je vais me faire presser, Nia! Un melon qui se fait presser, mais de quoi tu parles? On peut pas presser un melon, si? Oh, si, peut-être. Enfin, c'est plutôt les agrumes que je vois qu'on presse, mais... ouais, bon, si vous voulez. Bon, bah, il y en a plus que deux. Ok, il y en a un là. Pasténian! Salut! On va finir en salagne! Je sais même pas quelle voie il a. Alors, où est le dernier? Mais comment ça se fait qu'on les trouve si facilement? C'est assez dingue. Ok, non... Ah bah, juste là, salut! Je vais me faire éplucher, Nia! Mais non, t'inquiète! Bon, j'aimerais bien qu'il y en ait un, quand même, qui devienne mon ami, là, mais je crois que même pas. Genre, c'est juste un petit mystère de l'Ouest, mais c'est même pas... C'est même pas je rendu ami. C'est vous qui avez donné cet arôme fruité au lait, n'est-ce pas? C'est ça! Tout le monde aime le lait aux fruits! C'est pas faux, je suppose. Tout Duckville est accro à votre lait aux fruits! Bon, eh bien, encore une affaire classée.
Ouais, ce lait était donc bien l'œuf d'un yokai. Enfin, plusieurs même. C'est vrai. Non mais j'aurais bien voulu qu'il devienne mon ami. Enfin, que l'un d'entre eux devienne, genre, au hasard. Quel est votre préféré, d'ailleurs, des fruits Nyan? Je sais pas. Moi, j'aime bien Vininyan. J'aime bien Pasténian aussi. Maranyan, il est mignon. Enfin, je les aime tous. Mais, ouais, je les aime tous, en vrai. Et pourquoi vous vous êtes mis à faire ce lait? Oh. Ah, boss! Vous avez intérêt à laisser mes gars en paix. Tout va bien, boss. Pfff, j'ai pas de temps à perdre. Ok. What? C'était clair comme interaction. Attendez! Izu, ils sont cassés. On a bien vu. Bon, bah c'est terminé, il y aura plus de lait aux fruits. Mais ils vont pas être contents, les les villageois, là. D'ailleurs, ils nous expliquent pas pourquoi ils sont partis, quoi. Juste comme ça, voilà, ils en avaient marre. Pourquoi pas? 600 points d'expérience. Oh, les merveilleux! Ah, c'est pas aussi bien que de devenir ami avec un Jibayan fruit. Mais c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Allez, on va pas dire que c'est si nul que ça. Bon, c'est parti pour le mystère suivant. Et le mystère suivant, c'est... on va faire celui-là. Le poney de la vallée du Rodéo. Parce que je crois que c'est assez simple, en fait. C'est le plus rapide. Quoi? Je dois parler qu'à un seul mec? Ou alors c'est que tout le monde est à l'intérieur? C'est peut-être qu'on peut pas leur parler la nuit. C'est peut-être aussi ça. Bonjour. Monsieur le shérif, est-ce que vous auriez remarqué des trucs bizarres ces temps-ci? Hé, nope, j'ai rien vu qui sorte de l'ordinaire ces temps-ci. À part peut-être des histoires de poney un peu louches, mais c'est tout. Mais bon, tant qu'ils font pas de mal aux autres, c'est pas mes oignons. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails à ce niveau, s'il vous plaît? Oui. Faites gaffe, elle est passée en mode Sherlock, là. Ben, certains de nos poneys sont partis dans la vallée. Depuis qu'ils sont partis, ils sont devenus sauvages. À sauter comme des cabris et courir partout. On peut plus les monter. Moi, je peux. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. Vous avez qu'à prendre mon mag, il y aura plus d'infos dedans. Merci. Gigadingue, un autre numéro de Fentizat. Merci, monsieur le shérif. Alors, ils ont juste commencé à péter un câble du jour au lendemain? Oui. Pourquoi ne pas demander à Jeanne? Elle a l'air d'en connaître un rayon sur ce qui se passe dans les environs. Ouais. Bonne idée. Mais c'est ouvert son magasin à cette heure-là? Je sais pas. Non, parce qu'il n'y a plus la flèche. Je tiens quand même à dire que c'est étonnant, parce qu'on peut passer la nuit à l'hôtel sans payer. C'est très bizarre, hein? J'aurais tendance à dire que c'est peut-être que j'ai été mauvaise langue. Mais c'est peut-être pas que j'ai été mauvaise langue. C'est peut-être qu'ils nous cachent un truc. Ils nous offrent des poneys, ils nous offrent du lait aux fruits, ils nous permettent d'aller à l'auberge gratuitement, il y a anguille sous roche. À la fin, ils vont nous faire payer un truc, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai le flair pour ces choses-là. Bah oui, hein, je résous des mystères. Hé, hey, Jeanne, est-ce que tu auras entendu quoi que ce soit sur des poneys en fuite? Ouais. Bien sûr, mon petit chou. M'appelle pas comme ça, je vais pas dépenser dans ton magasin. J'étais haute comme trois pommes quand ces poneys se sont échappés. Oui, bah, c'était il y a un bail, alors. Mais pourquoi? Mais personne sait pourquoi ils sont partis. Les poneys de la vallée du Rodéo. Ça va peut-être paraître bizarre, mais je suis contente qu'ils soient partis. What? Tu es contente? Tu sais, les poneys ont besoin de liberté. Ils ont besoin de courir dans la nature. Pas faux. J'espère juste qu'ils sont heureux là où ils sont. Je dois avouer qu'elle marque un point. Mais si personne a une idée sur ce qui a pu se passer? Bah, ça veut dire qu'on est coincé avec notre enquête. Au pire, on pourrait toujours y aller directement et demander au poney. Bonne idée, tiens. T'es pas bête? Bon sang, oh yeah, y a pas mieux pour mettre le pied à l'étrier, yeeha! Mais ce sont des poneys et, bah, les poneys parlent pas, si? Mais oui, Yusapion et Jibanyan étaient des animaux avant de devenir des yokai. Donc ils devraient être capables de parler à d'autres animaux, non? Alors, non. Non. Parce que les humains sont des animaux, et pourtant les humains ne parlent pas aux animaux. Donc, enfin, vous pouvez, mais ils vous comprendront pas. Donc, ça devrait marcher, oui. Bon, fini de blablater. Go direction la vallée. On a des poneys à interroger. Non, mais écoutez, déjà, les animaux, ça ne parle pas, point. Et en plus de ça, je suis désolé, mais si encore Yusapion ou Jibanyan étaient des poneys, ils pourraient parler à d'autres poneys, d'accord. Mais non, c'était un chat et une loutre. Enfin, je crois que c'est pas la même chose que des poneys. Enfin, j'en sais rien, hein, je suis pas biologiste, hein. Peut-être qu'au final, un chat et un poney, c'est pareil, mais... je peux dire à
à presque 100%, pas tout à fait, hein, mais presque que non, c'est pas la même chose. Enfin bref, c'est pas grave, c'est l'univers de Yokai Watch. C'est un peu débile comme explication quand même, ils auraient pu nous dire « Mais il y a des yokai qui peuvent parler aux animaux !» Et ça m'aurait paru plus logique que de dire « Oui mais avant c'était des animaux, donc ils peuvent parler aux animaux !» Ouais, parce que ça c'est pas très logique. Bon, bref, salut. Bande de flemmards, allez vous entraîner au lieu de rester planté là. Quel entraînement? L'entraînement super strict du coach, Beta. Bref, vous êtes dans mes pattes là, allez oust! L'entraînement du coach? Mais comment on peut rejoindre ce truc? Bonne question. Hello! Je peux pas lui parler? D'accord, ok, on peut pas lui parler quand on est énervé. Salut! Eh oh! Ok, je suis au travers. Hein? Vous voulez devenir aussi fort que moi? Exactement! Si je devenais grand et fort, Kirbenda arrêterait peut-être de m'embêter. Et si je deviens plus fort, je pourrais enfin battre le camion. Alors, c'est quoi le secret de tes muscles? Le coach et son entraînement super strict, mais faut s'accrocher. Où est-ce que je pourrais le trouver, Nia? Dans le canyon à l'est, tard dans la nuit, mais pas tous les jours. En plus, il n'entraîne pas n'importe qui. Eh ben... Bon, maintenant, on sait où aller au moins. Et il faut que je parle au dernier? Ouais, je pense que je dois parler au dernier quand même. Il est trop beau, lui. Regarde ça, t'es impressionné par mes muscles, hein. Hi. Bon sang, j'avoue. Pour tout te dire, j'étais un vrai gringalet avant. Oh, vraiment, Nia? Ouais, j'étais bien plus faiblard et rachitique que les autres. Mais on était tous plus ou moins pareils, frêles et pathétiques. Vous étiez tous faibles, Nia? Ouais, mais c'est du passé, maintenant on est bien plus forts. Alors, les poneys qui se sont échappés étaient les plus faibles. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Je ne sais pas, ça. Bon, faut revenir la nuit. Ça, c'est certain. Eh non, ils vont me faire un petit topo, mais j'ai compris, hein. Je suis pas bête. Alors, juste pour être sûr que j'ai bien compris, en fait, il y a un poney qui m'a donné toutes les infos. Les autres, ils ont juste parlé dans le vent, quoi. Parce qu'il y en a un, il m'a dit, faut aller à l'est et faut y aller la nuit. Et les autres, ça servait à rien. Il y aurait une sorte de club de musculation pour poney ce soir au canyon à l'est. Et ce coach serait celui qui aurait poussé les poneys à s'échapper? Un coach? Je me demande bien qui ça pourrait être, mais tu sais bien qui c'est. Enfin, je crois que c'est pas lui en plus, mais bon, s'il devait deviner, il saurait qui c'est, hein. Bon, eh bien, pourquoi on n'irait pas au canyon à l'est ce soir pour en savoir plus? C'est ce qu'on va faire. Comment on descend du cheval? Ok, voilà. En plus, il disparaît, le cheval. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il y a un truc, non? D'accord, c'est tout? Ok. Ah, une carte. Ok, merci. Je vais aussi jeter un œil là. On est la nuit, hein. Enfin, vous le voyez, hein, mais je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. What? Une autre carte, d'accord. Bon, les cartes au trésor, ce serait bien peut-être qu'à la fin du jeu, on fasse ça en live. Genre, pas toutes les cartes au trésor, bien entendu, mais ça pourrait être sympa qu'on essaye ensemble de retrouver... Enfin, je sais pas si l'idée vous dit, hein, n'hésitez pas à lire dans les commentaires, mais qu'on essaye de... Genre, on se fait un live, on regarde les cartes au trésor sans Solus, hein, et on essaye de les trouver... Genre, vous pourrez m'aider un peu, hein, mais pas trop quand même. Mais ça pourrait être sympa, enfin ça dépend. Est-ce qu'on peut vraiment trouver des trucs bien avec les cartes au trésor? Est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que si ça sert juste à avoir des X-Porbs ou des étoiles dansantes, ouais, bon, c'est pas la peine de le faire. Mais s'il y a des bons yokai à la clé, s'il y a des bons objets, etc., pourquoi pas? Ça me dirait bien. Enfin bref, maintenant on va à l'est. Mais attends, comment on fait pour monter là? Non, je m'occupe pas du coffre parce que là il y a un truc en haut. J'ai jamais trouvé comment y aller. Bon, on dirait qu'il n'y a pas de solution pour monter. C'est bizarre. Je sais pas vraiment. Je sais plus. Bon bah merci, on peut pas y aller, génial. Salut. Ouais, c'est pas le coach auquel on pensait, mais bon, ils auraient quand même pu dire « Oh, c'est coach en cotonique !» Et bah, regardez là-bas, tous ces poneys se rassemblent ici. Et c'est pas tout, on dirait bien qu'il y a un yokai avec eux. Oui. Il me semble avoir déjà vu ce yokai. Oui. Bon sang de bonsoir, c'est pas une surprise! Il peut te muscler aussi vite qu'il fait monter la levure. Excusez-moi, mais... Pour ta gouverne, c'est moi qui me charge des explications sur les yokai ici. Ils vont se disputer pour ça? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes venu vous entraîner aussi? Pas la peine de te déranger pour rien, Nia. Yeah, c'est pour ça qu'on est là. Tu pourrais nous aider à devenir plus fort? Parle pour toi, Nia. Avec mon entraînement en vomi, je vais devenir du pain de seigle. Ils en savent bien ou pas?
Je sais pas ce que ça veut dire, que nos miches deviennent du pain de seigle, je sais pas si c'est un bon truc ou pas. Enfin, je sais pas si j'ai envie que mes miches deviennent du pain de seigle, en fait, c'est ça. Ah, il fait un petit peu mal, quand même. Mais on va y arriver, allez. Non, on va pas mettre Mimiane en combat, on va y aller comme ça. Mimiane, quand elle sera rang A, on jouera peut-être avec elle, peut-être à la place de Wobblemian. Mais pas pour l'instant, en tout cas. Elle sera pas en S tout de suite parce que je vais attendre peut-être d'avoir un meilleur Nian pour la passer en S. Mais rang A, ouais, elle va arriver bientôt. Bon, bah, ok, on va la sortir dès maintenant parce que de toute façon, il est mort, l'autre. Génial. Et elle a quoi comme ultime? Ah, bah, bien sûr, elle a une ultime. Ah, mais si. Non, mais j'aurai pas le temps, il va bouger avant, non? Pas sûr. Ah, il va pas bouger avant, très bien. Allez. Oui, parfait. Fourrure du chaton. Ah, oui, mais c'est nul, ça. Ah, et puis en plus ça a loupé, génial, parfait. Ah, c'était un petit peu nul quand même ton... Enfin ton envoûtement là, ton aspiration, ton vortex, il a pas fait beaucoup de dégâts. Hein. Mais attendez, mais il est en train de me défoncer lapin surprise, c'est ouf. Il va bientôt avoir tué Originian, c'est incroyable. En même temps j'ai pas l'impression que Yusapion... Ah mince, c'est pas le bon truc. Ouais, j'ai pas l'impression que Tofupion il redonne beaucoup de vie en fait. Il en donne pas souvent, c'est pas cool ça. Non, c'était surélevé. Oh, c'est nul. Bon, je vais l'avoir quand même, je pense, mais c'est un petit peu nul. Bon, il est mort, là, hein. Voilà, parfait, salut. En plus, je lui avais planté une épingle dans la tête. C'est ça, hein, faut pas me chercher, moi. Ok, c'était pas elle que je voulais qu'au moins de niveau, c'était plutôt Wobblemian, parce que vu qu'il a plus de vie, ce serait bien, mais on va aller lui donner des vies après, on ira voir le bleu yeux. Alors, c'est donc toi celui qui a musclé tous ces poneys, hein? Pas incroyable, hein? Grâce au coach, je suis passé de zéro à héros. Maintenant, nous sommes tous de véritables athlètes du monde équestre. Notre trop-plein d'énergie nous fait nous cabrer de temps en temps. On est tellement musclés que les falaises ne nous font même pas une égratignure. Ben, c'est une bonne nouvelle, hein? Faut croire que l'entraînement du coach fait bien effet. C'est clair. Et un mystère de résolu, hein? Ouais, donc les poneys se sont échappés pour devenir plus forts. Et c'est Pain Surprise qui les a entraînés. Ce qui veut dire... Que le mystère est résolu. D'accord, on comprend, on a déjà fait cette cinématique au moins 25 fois. Pourquoi tu les as entraînés, Pain Surprise? C'est le boss qui me l'a demandé. Le boss? Le boss est... Encore lui! Tu as déjà bien assez dit! Non, t'en as déjà bien assez dit. Boss, l'entraînement se passe comme prévu! C'est pas trop tôt, à plus! Mais il est méchant, lui! Alors? Pourquoi il fait ça? Mais pourquoi partir si vite, bon sang? Trop tard! Bah oui, ils sont partis, on peut plus leur demander maintenant. Bon, un nouveau mystère de résolu! Qu'est-ce qu'on va gagner comme objet nul? Allez, un petit X-Porb, j'en ai besoin. Ah, c'est bien, il augmente de niveau, ok. On n'a pas besoin d'aller au bleu yeux. Et ça tombe bien. Ah, veste de cow-boy! Je vais aller la mettre tout de suite. Par contre, j'ai pas la casquette qui va avec. C'est un petit peu dommage. Mais c'est bien. Mais attendez, mais c'est une blague. Je tombe toujours sur le gris. Toujours. Ça fait combien de fois d'affilée que je tombe sur le gris? 2. Non, peut-être 3. Je ne sais pas. Alors, mon Yann. Voyons voir. Personnalisation. Corps. Et... Veste de cow-boy. Ah ouais, pas mal! C'est vraiment dommage qu'on ait pas de casquette, enfin de chapeau de cow-boy. Mais pas mal, c'est mignon comme ça. En plus, ça va très bien avec ses couleurs. Pour une fois, je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. Bon, on va partir, mais juste avant, je vais aller voir quand même ce qu'il y a là. Un coffre, hein, oui, j'ai vu. Vous en faites pas. Un bracelet de brut. Bah, j'aurais mieux fait en fait de pas aller le chercher parce que ça sert à rien. Bref les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Yokawash 3 en français. J'espère que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut !